la famille, je vais. C'est bien comme ça, tu vas pas le prendre. Thank you.
là, au duel, là, il a été pim. Ah ouais, c'est la même, ouais. Eh oui, moi aussi. C'est peut-être des bagnons, ça. Oui, moi j'étais à 70, c'est pas bon, hein. Ah, c'est pas bon. Les bagnons, les mecs, ils vont faire ça. Ça pourrait dire, c'est plus loin, ça. Ça va remporter, ça. Oui. Ça va se mettre au milieu, hein. Je
73 à tous, désolé, je suis sur un petit netbook. Des fois, ça bug un petit peu. Ah, j'ai trop de trucs ouverts. Il y avait un accrochage avec mon casque. Non. À part que
Ah non, 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 c'est ma femme qui passait à Spirou. Ah d'accord, ok. Ah ok, pas de problème. Mais c'est pas Greg qui est toujours là? Si, si, pardon, mais je voulais raccorder mon antenne, mais je passe un peu à fréquence, j'ai décalé de 10 pour faire ça, parce que là je voulais que mon antenne est comme provisoire, j'ai pas de bande de magie de poste, je voulais faire un petit coup de tuner là. Apparemment, j'ai compris, c'est une nouvelle station sur 13, c'est ça? C'est ça, voilà, ça fait. Donc, je suis nouvellement sous la région. Et donc, là, j'essaie de leur installer une station avec un petit gazou, là. Et puis, là, pour l'instant, j'ai un petit pour le filet. Après, j'ai installé, mais vraiment, la vite assez bas. Et que je chercherai pour que j'optimise, quoi. Ok, mais bienvenue dans le coin, dans le secteur, alors voilà. À toi, Patrick. Ah ben ouais, mais écoute, il va y avoir quelques opérateurs sur la région. Voilà. Apparemment, c'est quelqu'un qui a l'air sérieux, donc bienvenue au club, hein, si c'est comme ça. Ouais, lance un petit break. Ouais, désolé si ça bouge au niveau de la vidéo, mais vu que je balade d'un côté et de l'autre, là, je peux pas mettre la caméra sur le pied. Apparemment, moi je l'ai pas, ça fonctionne bien, mais sur le salon, mais j'ai pas trouvé le détail en disant la dernière version, et bien elle apporte ça, ça et ça, j'ai rien trouvé. Break. Ouais, parce que je vais poser la question à Brandon, là, quand ça a tourné, et Paul l'avait cherché aussi, là. Break. Merci, c'est sympa. Là, c'est, j'ai fait un petit coup de tuner là sur avec le poste. Ouais, donc j'ai entendu un break derrière, hein, je suis pas sûr. Ouais, donc bah, écoutez, ouais, bah, je vais écouter un peu rapidement. Ouais, c'est moi qui fais des
DX en anglais, ouais. Parce que moi, ce que j'aime surtout, c'est le DX. Voilà. Mais tu sais, comme j'ai un perroquet sur mon Yaizu, hein, mais comme j'ai la même guéri de toute manière, donc voilà. Donc des fois, je lance l'appel et puis j'appuie sur le bouton et puis je quitte la pièce. Alors si des fois je réponds pas alors que j'ai lancé l'appel, c'est parce que je suis déjà plus dans la pièce. Hein. Donc il faut pas croire que c'est parce que je sauve les gens. Je me dis quand même, c'est avec la sélection que j'ai, si j'avais chopé un pays anglophone, ce serait quand même étonnant quand même. Non, c'était que moi. Et c'est bien. Voilà, non, mais écoutez, voilà, c'est sympa pour après le contact. J'avais aussi, parce que j'avais branché la station il y a 2-3, c'est un petit mois, j'ai fait un petit essai il y a 2 semaines, et c'était, j'ai tout mis sur quelqu'un, vous connaissez peut-être, c'est Louis, qui est dans le coin là. Oui, je connais pas. Tu connais toi, Eric? Attends, j'attends un break derrière. Et les box 13-51, les stations de la part des 14, Delta Romeo 33, opérateur Rémi, QRZ local, Dandy 33. Ok, bah Greg, les bons sont très sympathiques à toi, on se connaît. On s'est déjà attrapé sur le canal 19, Hachi. Ok Greg, eh bien de mon côté, sur la station, c'est un signal de 1, et je suis en même temps en parallèle sur le web SDR, avec un signal de 9 plus 20, je crois, 9 plus 30. Merci pour le retour, ça prend cette scène, on va essayer de faire un petit coup de filtre avec le notch pour essayer de dégager un peu la TQM, mais je t'entends mieux sur YouTube, hein, c'est pas plus sur YouTube. Okay. Oui, je passe sur la verticale parce que on s'est mis sur la verticale, Rémi. Là de mon côté, je ne reçois pas bien gros non plus. Hein. C'est comme toi. Mais sans préciser, donc c'est la station 14 Papa Lima 30, l'opérateur Patrick. Là. Où est-ce que tu te trouves, Rémi, là, micro de retour? Ok, alors du côté du poste, c'est du 53, et du côté du web SDR, c'est du 59 plus 30 presque. Eh bien, je suis sur Sainte-Colombe. J'espère que avec le web SDR en parallèle, ça ne fait pas trop d'écho de mon côté, parce que c'est vrai que moi là, c'est pas évident. Là. Ok, attends, je vais essayer de m'éloigner un petit peu là, du web SDR. Et Sainte-Colombe. Voilà, entre Saint-Émilion et question de la bataille. Ok, entre Saint-Émilion et question de la bataille. Oui, d'accord. Mais alors, c'est ce canon direct, c'est pas évident. Écoute, bienvenue, Eric, pour Eric Rémy. C'est la première fois que l'on se copie. Hein. C'est comme 3. Non. Radio Broc, Rémi, Dandy 33. Ah, ok. Ah, ok, d'accord. Non, mais c'est pas copié, ok. Ça y est, alors là, ça, je te remets. Rémi, ok, d'accord. Très bien. Ok, d'accord. Ouais. Là, c'est assez particulier parce que j'ai Eric qui me fait sauter le S-mètre.
Ok, et puis en plus de mon côté, je sais pas si, si c'est relativement propre, mais moi là, moi, je suis en train de faire un test, alors j'écoute du côté WebSDR et j'émets du côté du Yazoo, là, du FT450. Alors ça fait un truc qui est pas triste là, de mon côté. Retour Eric. Ouais, la ligne s'entend vraiment petit, hein, c'est pas facile, c'est un peu filtré. Bonjour Eric. J'ai pas non plus une bête de course. Ouais, je sais que toi, j'écoute pas. Je crois que t'as pas des conditions de trafic avec le FT450, je crois. Voilà, donc pour moi, bah écoute, c'est pas lié à la station. C'est lié plutôt à mon antenne là qui est vraiment, vraiment basse. Donc, je passe à beaucoup mieux malheureusement, mais j'entends, j'essaie de te notcher un peu avec ce que j'ai pour dégager un peu ton signal au mieux. Peut-être que je peux là pour te t'entendre. Ouais, il y a eu un break là. Ouais, vas-y, le break, rentre, j'ai une charge, je crois. Bonjour tout le monde, bonjour les stations, 73-51 à vous tous. À toi, Eric, et puis on autre. Là, je sais pas qui c'est. Ouais, on est au micro. Ok, voilà, je fais le tour. Tu as Dundee 33 Rémi qui est sur la bataille de Saint-Colomb, entre les deux. Oui, et puis tu as sur Crest, tu as Greg et Patrick, qui est mon voisin, qui est pas loin de chez moi, entre les Gardons et puis l'autre, et t'as là, toi. Ok, bon, ça, les amis, à tout le monde, à Dundee, à Greg et à Patrick, la part de Richard. Oui, salut Richard. Salut Richard, je vous attends nuit, il y a quelques temps là. Vous tuez, comment tu vas? Ouais, ça va, dernière semaine de vacances, après il faut reprendre, mais bon, ça sera pas dur. Hein. Mais vous êtes toujours en vacances, comment vous faites? Non, j'ai soldé mes congés, moi j'en ai pas pris beaucoup, et j'ai soldé mes congés, et puis comme tu prends, t'as 2 jours de fonctionnement, plus 4 jours d'ancienneté, puisque ça fait un bout de temps que t'es dans la boîte, et donc ça te fait, rien que ça te fait 6 jours en test, mais là, il faut soldé les congés avant le premier, autrement ils sont perdus. Eh oui, et encore, moi j'ai fait 4 jours dans le monde. Ouais, j'ai un compte, j'en ai une voiture, c'est pour ça. Oui, bah oui, c'est un million, hein, c'est qui fait, mais. Je ne voyage pas beaucoup, hein, je suis là, je suis là. Les retours sur les rues. Ok. Ok, voilà, j'espère qu'il n'y a pas d'écho de votre côté comme moi j'ai là, ici, là, sur le WebSDR. Mais bon, ça te reste 51 à toi. Et pour les congés, eh ben, on dirait du copier-coller. Voilà, depuis ce matin, moi c'est pareil, là, je suis en vacances, là, pour 2 semaines et demie. Et même raison, même motif, même punition, le solde de congé. Ouais, c'est une bonne punition, hein. Non, 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 pas du tout. Ah ouais, parce que si je vais prendre tous mes RPT, là, à peu près 5 semaines, je suis au moins 200 heures. Ah oui, d'accord. Non, là, il me reste juste à prendre 2 semaines et demie. Donc là, ben, on va en profiter un peu, quoi. Ben, cette semaine, on profite de faire tout ce qu'il y a à faire au Tuira. Et puis la semaine prochaine, eh ben, on va partir un petit peu. Ouais, affirmatif. Tiens, pour en dire un petit peu plus, là, pour la semaine prochaine, ben, on va descendre sur Andorre, puis après, bon, on va longer toute la crête vers les Pyrénées-Orientales, pour descendre un petit peu du côté Espagne. Ouais, si tu vas sur Andorre, on ramène des copies d'alcool.
Et tu fais bien de me dire ça, il faut que je récupère l'adresse d'un magasin Sibi qui est justement sur Andorre. Ouais, mais justement, j'aimerais bien aller voir ça un peu plus près aussi, Hachi. Ouais, bon, déjà, ça permettra de voir. J'ai une adresse, là, sur mon forum, justement, là, d'un magasin, là-bas. Là, faut surtout pas que j'oublie de récupérer l'adresse, Hachi, pour, justement, aller faire le curieux de ce côté-là. Non, 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 j'y suis déjà allé il y a quelques années, tu rentres comme dans un moulin, quoi, ou presque. Ouais, si, tu as quelques plantons qui sont là, mais juste pour faire tapisserie. Ouais, pour rentrer c'est peut-être bon, et pour en sortir c'est peut-être une autre histoire. Parce qu'à mon avis, les gens d'Andorre, ils font pas du trafic avec la France, c'est plutôt l'inverse. Bah, ben, s'ils font pas de trafic vers la France, on sortira du côté Espagne. Peut-être. Peut-être pas. Mais oui, c'est tentant. Mon fils qui habite Toulouse, au mois d'août, je vais à son mariage. Qu'est-ce que c'est que cette activité qui est un peu partout, là? Waouh! C'est pas loin. Passe à Greg. Ouais, ben, juste, il y a beaucoup de monde, là. D'un coup, là, pour moi, je connais pas de ce monde. Là, Rémi, j'entends mieux, là. Patrick, il n'y a pas de soucis, ça passe de mon côté. Rémi, si tu entends un peu mieux à mon côté, ça passe, mais je sais pas si c'est monté un peu sur les whisky. Et l'autre interlocuteur, j'ai pas bien. Je l'entends un petit peu aussi, je sais pas où il est situé, mais 73 à toi aussi, hein, à toi d'ailleurs. Et voilà, donc. C'est ce que je fais depuis le début du QSO. Voilà, j'ai coupé le volume du poste pour fonctionner uniquement avec le volume du web SDR. Et tout le monde passe vraiment super cuillerou. Hein. Ouais, j'imagine que de mon côté, ça doit être pareil aussi, il doit y avoir un écho. Mais ça n'a rien à voir, c'est le web SDR qui nous fait ça. Le son du web SDR repasse dans le micro. Il n'y a aucune chambre d'écho de brancher derrière. Hein. Bon, j'ai une idée. Je vais couper le son du web SDR pour remonter le son du poste. Voilà, ok, voilà, j'ai mis le web SDR sur mute. Bon, j'ai plus que le visuel, et là je suis uniquement avec le son du poste. Voilà, je vous entends super bien. Ok, ben de mon côté, par rapport au web SDR, c'est beaucoup plus QRP, quoi. Ouais, bah, il n'y a que toi, là, sur ton monticule. Hop là, tiens, j'ai un petit souci avec la pédale du micro. Hein. Ouais, il n'y a que toi, là, en haut de ta tour infernale, là, qui cartonne partout, quoi. Non, mais non, pas du tout. Alors là, je passe
attention. C'est Michel, la tour de contrôle. À ce propos, on ne l'entend plus. Comme quoi, il faut vraiment faire attention au niveau du volume. Sinon, ben voilà, ça déclenche un effet d'écho pas triste. Tiens. Eh oui, le micro attrape le web SDR qui retransmet. Et puis, on remarque, ouais, bon, moi, ça m'amuse. Ah ouais, affirmatif. Oh, je suis toi aussi, Eric, tu as le web SDR derrière. Ouais, j'ai coupé le son du poste, mais ça ressort quand même. Eh tiens, si je jouais un petit peu avec le volume du web SDR pour voir. Ouais, ouais,